Et salut à tous, c'est GG Conquilador et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Youpi! Oh, c'est quoi ce bordel? Oula, j'ai un skin de Mexicain. Oula, j'ai un skin de Mexicain. Bon, écoutez, c'est pas mon vrai skin, peut-être qu'il va revenir après, j'ai eu ce bug là. Enfin, soit. Épisode 2 de mon aventure, ma petite aventure Minecraft. Alors, où on est, on était? Donc, c'est dans la jungle. Ouais, en beau milieu de la jungle. Bon, à ce qui me semblait, il y avait une espèce d'échelle ici, ouais, de liane. Ouais, je suis déjà mort une fois. C'est quoi ça? C'est un mouton encastré dans. Dans les feuilles, d'accord. Bon, attendez, je vais vite faire une coupure, me reconnecter à Minecraft et voir parce que mon skin là c'est un petit peu embêtant. Ça fait quand même bizarre de pas avoir mon beau skin GG Conkiller et d'avoir un vieux skin de Mexicain. Je reviens. Bon, bah, je sais pas ce qui se passe, j'ai toujours mon skin de Mexicain. C'est peut-être Minecraft.net. J'irai voir après sur Minecraft.net d'ailleurs si c'est pas un bug. Si mon skin se serait parti, je sais pas pourquoi il se sortira, hein, mais. On ne sait jamais, donc j'irai voir après, mais tant pis, on va jouer avec un Mexicain. Oh là là, trop lolol. Pardon, j'ai mal fait. Oh là là, trop lolol. Il me faudrait un coffre. Alors j'ai rien là-dedans. Ah j'ai du bois. Je prends même pas la peine de regarder ici. Donc, hop, je vais prendre mes haches et on va aller. Non, on va continuer à construire. Donc je m'étais dit que j'allais faire une pièce et je vais commencer à aller par là. Comme ça je pourrais peut-être m'orienter vers l'arbre qu'il y a là. Ah, je commence bien. Hop. Donc je vais me diriger ici. Et là je commence une petite pièce aérienne. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Enfin simple. C'est quand même une pièce aérienne quoi. Je la fais pas très symétrique, hein. Je fais ça comme ça, donc là j'ai mis 3 par ça, à côté de ça. 1, 2, 3. Voilà. Évidemment, il va falloir que j'aille couper du bois. Je m'en doutais, ça c'était un fait certain, mais bon, ça va, à mon avis c'est pas ce qui va manquer, quoique j'ai pas envie de déforester non plus la forêt amazonienne. Donc voilà, mais bon. Si je m'attaque à un bon gros arbre à une certaine distance, ça peut ne pas trop se voir et ne pas trop être moche. Oula, je me suis vu crever. Genre cet arbre aussi, il a l'air sympa. Alors, on va l'attaquer d'ici. Hop. Et c'est parti, on déforeste comme des petits enfoirés. Alors oui, j'ai re-téléchargé mon Minecraft Mojar, c'est peut-être ça que j'ai pas mon skin. Mais je l'avais tantôt, donc c'est quand même bizarre. Évidemment, allez. Ah, oh, mais comment on appelle ça encore? Les challenges, enfin les défis vont se refaire. Les statistiques, non. Les succès, voilà. Donc là, je suis encore au stade de créer une table de craft. Donc évidemment, c'est un petit peu plus différent que d'habitude. Et je vois qu'il y a de plus en plus de trucs. C'est sympa. Créer une table de... Ouais. C'est déjà fait, mais bon. Évidemment, il n'est pas censé être au courant. Donc voilà, sinon pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, c'est pour mon serveur Minecraft. Pour le moment tout se passe bien, j'ai réussi à avoir la map, j'ai réussi à télécharger, à la foutre, je l'ai même sur mon Minecraft ici. Et non, il n'y a pas question que je vous la présente. Vous la verrez quand le serveur sera ouvert officiellement en 20 slots. Mais là, il n'y a pas question que je la montre à plein de gens. Seulement les 3 personnes qui seront tirées au sort. Alors je tiens à dire pour le tirage au sort, vous pouvez tenter de m'influencer, chers amis. C'est-à-dire que vous pouvez me convaincre de vous choisir en dehors des tirages au sort ou même, même pendant les tirages au sort. C'est-à-dire que c'est un tirage au sort...
un vilain tirage au sort, donc ne me mentez pas non plus, hein, dites pas oh là là, trop là là, je joue à Minecraft depuis 18 ans et je suis un grand fou, je suis l'admin principal du serveur Minefield, je sais pas, moi me sortez pas plein de conneries, hein, c'est pas la peine. Je peux croire en certaines choses, mais faut pas exagérer. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le concours, je vous invite franchement à aller le voir et à le faire tourner un peu partout, parce que ça en vaut vraiment la peine. Alors comment je vais faire pour aller attaquer cet arbre de là-haut? Parce que à part avec ma bouse que j'ai ici, hop. C'est cool la déforestation. Mais je vais quand même faire gaffe où je coupe mon bois. Parce que... Pardon, parce que ce serait quand même moche que j'ai plus de... Enfin, qu'il y ait des trous dans la jungle. Faudrait que je fasse comme la déforestation au Congo, je coupe un arbre tous les hectares ou le lézard, je sais plus, comme ça se voit pas trop. Parce que je vois ça en géo pour le moment, c'est génial. Enfin oui, c'est bien, oui, c'est non, c'est sympa de savoir qu'il y a des connards qui coupent la truc n'importe comment. Bon, alors donc je suis installé là, alors on peut pas le louper. Alors j'ai coupé combien? Donc sur un arbre, j'ai plus ou moins un arbre... de taille moyenne, si je puis dire, j'ai plus ou moins un stack, mais je vois que j'ai pas fini. Attendez, excusez-moi, là, il manque quelque chose. Je crois qu'il y a, ouais, il y a encore quelques bûches ici, à ce que je vois. Où elle reste? Je creuse un petit peu, je creuse. Non, pas, bah, il y a plus l'air d'avoir de bûches. C'est bon, je crois que j'ai tout pété. Ah! Oh, le réflexe que j'ai eu pour m'envoler là, comme en game mode. Double espace. Hop. Alors, ma jauge de faim, ça c'est un autre problème. Est-ce que j'ai de la bouffe? Ah bah évidemment pas du tout. Donc je vais devoir trouver une poule ou quoi. Bon écoutez, je vais m'explorer. Hop. Un peu dans la jungle. Enfin, je vais explorer un peu la jungle plutôt. Mais là, il me faut... Oh, j'ai vu une vache là-bas. Le problème c'est que l'élevage pour le moment ça va pas être trop ça. Donc je vais devoir tuer les mobs. Si je veux survivre, c'est sûr, je vais devoir tuer les mobs au début. Allez, 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 venez mes petites vaches. Voilà. Alors j'ai pas regardé depuis combien de temps je filme. Hiker, je m'arrête, ok. Alors il y a quelques vaches ici, c'est sympa. J'aurais peut-être de quoi me faire. J'en entends par là. Je vais plus aller tuer celle-ci. J'allais chercher l'XP. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir un jour. Quoique. Moi, j'attends les enclumes. J'ai vu qu'il y avait des enclumes dans les prochaines versions. Bon, évidemment, ce sera dans longtemps, mais. Les enclumes, ça a l'air vachement bien pour réparer vos trucs et tout ça, pour en créer, les renommer et tout ça pour les serveurs multi, ça peut être sympa. Alors j'ai cru voir ma maison, ouais, elle est là-bas. Là, il faut vraiment que je me dépêche, que j'aille cuire ces côtelettes là parce que sinon je vais, ah ben voilà, je vais y passer dans pas longtemps, mes amis. Voilà, ça commence. Ça commence, ça commence. Donc, ah oui, c'est, en plus c'est embêtant. Allez, vas-y, fais-le. Voilà, ça retire moins un demi-cœur. Oh là 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 là. Oh shit. Là, normalement, ça me retire plus de cœur. Voilà. Par contre, je peux plus courir ni rien. Et si je me prends un creeper in my face, I don't like that. Donc, je vais aller là. Bah si. Oh, une pomme! Oh, Dieu merci! Je vais bouffer cette pomme en attendant. Voilà! Arrête de crever.
Et je vais terminer ma... Hop là! Voilà. Ah, j'ai toujours ce skin de mexicain, quelle horreur. C'est pas vrai, non, j'ai pas un skin de mexicain. Non, 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 non. Non, mais en réalité, j'ai vraiment pas de skin mexicain, les petits amis, ceux qui... Pour les nouveaux, j'ai vraiment un skin GG Coon Killer, un skin avec un skin de clown, quoi. Un skin... Le skin GG Coon Killer. Mais et d'ailleurs c'est un abonné qui me l'a fait. Teskill, merci à toi encore. Hein. Mais là je sais pas, il y a des bugs. Je suis en mexicain, c'est absolument horrible. J'en oublie même mes côtelettes, vous voyez. J'en oublie mes côtelettes. Donc, Papy GG va mettre cuire les côtelettes. Voilà. Papy GG a mis cuire ses côtelettes. J'ai du mal à faire Papy GG aujourd'hui. Mais vous savez pas encore ce que c'est Papy GG. Papy GG c'est... Bah, c'est Papy GG qui arrive dans les prochains épisodes de Minecraft en multi, c'est-à-dire sur la chaîne de Kyrose. Allez, je la remets dans la description. Donc elle est dans la description. Vous verrez la chaîne de Kyrose. Dis donc, elle va être dans toutes mes descriptions cette chaîne. C'est... Bah, là c'est la chaîne d'un pote IRL qui fait nos aventures Minecraft. J'arrive dans l'épisode 7 ou 8, il me semble. Là, ils en sont à l'épisode 4 ou 5 de leur aventure. Ils sont. Je sais plus combien ils sont à faire leur aventure. Mais bah, on est. Qu'est-ce que je raconte, purée? On est 4. 4 potes IRL à se connaître. On est dans la même classe, même école, tout ça, tout ça. Ça me paraît logique en même temps, mais bon. Oubliez ce que je viens de dire. Je vais faire un truc assez classe quand même, c'est-à-dire que je vais faire un plafond quand même un peu plus haut. N'empêche que vous voyez, avec un arbre, ce qu'on fait, avec un arbre, on fait une petite cabane comme ça. Enfin, je vais avoir. Bon, évidemment, je vais encore pouvoir faire quelques autres trucs, mais là, j'ai déjà utilisé presque la moitié de mon arbre. Hein, alors que l'arbre était bien robuste, donc voilà. Ah, voilà, bon. Des torches. Est-ce que j'ai des torches? Non, j'ai plus de torches du tout. Par contre, ça c'est intéressant. Ah oui, j'ai oublié que maintenant on avait de l'XP pour quand on faisait chauffer des trucs. Donc je vais pouvoir manger mes côtelettes, voilà. Je vais me faire un coffre. Que de toute façon je vais stocker. Hop. Enfin que je vais stocker. Je stocke un coffre, oui. Ouais, y a moyen, hein. Donc je vais le foutre là. Ici, je mettrai mon lit. Là, je mettrai deux petites portes sympathiques. Donc là, il fait nuit. On peut peut-être. Je regarde. Je vérifie encore si je suis bien. Ouais, ok. Difficulté facile, c'est bon. C'est raisonnable. Quoique, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monstres, mais bon. Donc, pour le moment, c'est pas encore super beau. Je compte pas forcément l'embellir non plus. Mais voilà, c'est pour agrandir mon espace aérien. Ça, je vais les foutre là en attendant. Parce que j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Donc. Ça peut m'éviter de tomber de temps en temps, ça peut être sympa. Donc, il me faut des torches. Alors, je sais, c'est pas super pour le moment la série, mais bon, il faut bien que je m'installe. Oh là là, hop, voilà. Alors, oh là là, trop là, je vais faire un truc en sable. Oups, ok, c'est bon. J'ai rien dit, vous n'avez rien vu. Ne le dites à personne, voilà, c'est tout. Faut juste dire de s'abonner à ma chaîne. Ils comprendront pas, mais quand même. Hop, voilà. Check, 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 check. Non, je rigole. Hop, hop. Voilà. Donc là, on a un toit. Qu'est-ce que je me sens en sécurité avec un toit? Sauf qu'il me manque les portes. Et tant que j'ouvrirai pas mes portes, je me sentirai pas en sécurité maximale. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, des portes. Oh là là. Non, mais c'est pas là-dedans qu'on fait des portes, hein. C'est... C'est pas dans un même four que tu vas faire une porte. Hop, hop. Ouais, il m'en faut deux. One, two. It's Hop, hop. Voilà. Superbe porte. Et là, si je veux vraiment faire tout bien, je vais mettre deux petites plaques de pression. Comme ça, hop, j'aurai qu'à l'ouvrir une fois et elle se fermera toute seule.
Merci les plaques de pression. Donc voilà, là je suis dans un abri en sécurité, malgré qu'il soit quand même un petit peu pas assez large. Oui, je l'ai pas fait assez large. Donc on va modifier ça. Ah bah oui, moi je suis comme ça. On va l'élargir. Hop. On creuse le... à même la cabane. Donc évidemment, pour ce qui est de mon serveur Minecraft, je compte sur certaines personnes. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux pas avoir de l'aide niveau admin. Carrément. Parce que moi, si je veux savoir continuer les vidéos, va falloir qu'on m'aide. Parce que sinon, moi, vidéo, ça va être bien chaud. Hein. Surtout que mon ancien serveur, c'était un 10 slots en moyenne. Enfin, c'était une moyenne de 10 personnes. Donc, c'était pas énorme, mais il y avait beaucoup de gens à la whitelist, donc qui parfois venaient comme ça. Elle venait plus depuis un mois, puis pouf, elle revenait. Et là, fallait les gérer tout ça. Il y avait plein de gens qui voulaient construire des villes et tout ça, donc il fallait tout gérer. Donc voilà. Si vous n'avez jamais vu mon serveur, c'était dans les premiers épisodes. J'ai fait des vidéos avec Flambus. D'ailleurs, j'avais encore ma toute petite voix. C'est d'ailleurs horrible. On me reconnaît pas du tout. Donc c'est dans les premières vidéos avec Flambus de ses premiers épisodes de, je sais plus comment ça s'appelle, des mondes cubiques fantastiques. Ses premiers épisodes, c'est sur mon ancien serveur Mine Company, où vous verrez Alpharog et Dark Crayon, où j'avais un skin de Super Meat Boy. Donc là en largeur, ça me paraît correct. Voilà, donc avec un arbre, ce que j'ai fait, c'est quand même abusé, hein. Je fais une petite cabane, deux portes, un coffre. Il me reste un petit peu pour faire quelques torches. Donc bon. Va falloir que je déforeste quand même pas mal. Si je veux faire un petit toit aussi. Pardon. Si je veux faire un petit toit aussi, va falloir que je m'améliore. Alors pour le fun, je vais faire encore un atelier ici dedans. Hop. Ah. Ah bah comme ça en plus j'aurais fait mon truc. On va dire que c'était pour ça. Hein. Voilà. Limite mes pousses de chêne, j'ai de la dirt, je pense. Oui, magnifique. Mes pousses de chêne, je vais les foutre. Tiens, j'aime. Waouh, je dis pousses de chêne comme ça et en fait j'avais pas encore réalisé que ils avaient changé de nom et que ça s'appelait du chêne. D'accord, bon. Vous voyez comment, depuis le temps que j'ai pu jouer à Minecraft, c'est fou. Donc voilà, pousse mon petit chêne, il le faut. Toi tu pousseras pas, t'es trop près. J'irai te chercher de la dirt, en plus. Rien que pour toi. Pardon, j'ai arrêté de parler comme ça. Alors il me faut de la cobble aussi, si je veux faire des petits outils sympathiques. Je vais baisser un petit peu quand même le... Oh là là, je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Les sons Minecraft options, musique. Voilà, c'est sympa la musique, mais il faut pas en abuser non plus. Donc on va descendre. On va aller miner un petit peu parce que je vois que le jour se lève. Donc on va descendre dès le lever du jour. Alors je vois déjà un creeper in grass. Creeper. Je vais essayer de l'éviter. Je vais pas trop me diriger vers lui. Je vais pas faire le genre Kevine qui va s'attaquer au. Enfin non, en fait non. Je pourrais très bien l'attaquer, faire le bourrin, mais j'ai pas envie d'exploser là. Pas maintenant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper un arbre et je vais faire du minage. Donc ah mais non. Parce que je me suis dit que j'allais arrêter à 10, donc voilà. Cet épisode, ça a été le coupage d'un arbre, la construction de cette chose horrible que vous voyez en haut. Mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, hein, on va dire que c'est pas forcément le but. Mais vous inquiétez pas, par après, j'embellirai tout ça. Il y aura des fenêtres, un toit en escalier, tout ça qui ressort avec
des piliers qui redescendent à chaque fois aux quatre coins de la baraque. Où il y a des zombies. Là. Aux quatre coins de la baraque. Donc voilà, je n'hésitez pas à aller voir le concours, hein, comme je vous ai dit en milieu de vidéo. Et voilà, et bonne chance pour le concours si vous allez vous inscrire. C'est simple, il suffit de regarder la vidéo, vous comprendrez comment vous inscrire, c'est absolument très simple. Voilà, c'est très français ce que je viens de dire. C'est pas grave, je vous dis salut à tous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou Facebook. Vous êtes de plus en plus... Sur Twitter ça augmente plus vite, mais sur Facebook vous êtes 33 il me semble. Et sur Twitter vous êtes plus ou moins 80. Donc voilà, un grand merci à tous de me suivre. C'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait plus de gens sur Twitter que sur Facebook d'un autre côté, parce que Facebook est assez enfin voilà, soit. J'espère que vous m'aurez compris. N'hésitez pas à Twitter et Facebook. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette Minecraft, un clown dans la jungle. Salut tout le monde.